Oh, c'est encore Jeffrey le diaspora, ça va bien? Bon, ben, on en avait des problèmes avec la gouttière ici. Alors, je te raconte pas. Il y en avait au bout de la gouttière, cette pièce, qui était comme ça. Je te montre, hein. Et cette pièce était comme ça, au bout. Et quand il pleuvait, j'en avais des problèmes. Donc, c'était quoi les problèmes? Le problème de la gouttière, c'était que l'eau est passée par-dessus comme ça. Elle passait comme ça faisait une grosse vague comme ça. Une grosse vague et ça allait dehors. Ça allait partout. Ça allait sur le mur, ça allait sur la terrasse, ça allait partout. Et moi, j'en avais marre, j'en avais trop marre. Donc, j'ai dit, ça peut pas possible comme ça. Donc, comme ça peut pas possible, il faut changer ça. Ça, il y en a marre. Il faut qu'il y ait un trou en bas. Il faut qu'il y ait un trou en bas. Comme ça, on met un tuyau et ça récupère l'eau. Tu as compris? Donc, je ne sais pas tout comment ça s'appelle, ce que je suis en train de te dire. La même chose, mais avec un trou en bas. Hein? Parce que moi, je croyais que j'allais prendre une scie cloche, j'allais faire un trou en bas et que j'allais essayer de mettre un tuyau, j'allais faire du bricolage. J'ai dit non, il y a peut-être plus facile. Donc, allez, j'ai trouvé ça. Ça s'appelle la naissance centrale. Ça s'appelle une naissance centrale. C'est la même pièce. C'est la même pièce pareil. Hein? C'est la même pièce. Sauf qu'il y a un trou en bas. Voilà. Le trou, il est là. Le trou, ici. OK? Et le tuyau, tu peux mettre. Hop, tu mets comme ça. Poup! Et après, tu peux faire un coude et tu l'amènes autre part et tu fais une déviation. Bon. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc, je l'ai mis là-haut. T'as compris? J'ai remplacé. Comme ça, si jamais il y en a un orage, la vague, elle va arrêter de passer par-dessus. Elle va aller dans le trou, l'eau. Tu vois? L'eau, elle va aller dans le trou au lieu de passer par-dessus. Ça va plus faire de vagues. T'as compris? Bon. Maintenant, le tuyau. J'en ai trouvé un tuyau. C'est un tuyau comme ça. Hop. Comme ça, le tuyau. Le tuyau. Hop, il fait 1 mètre, 2 mètres. Hein, d'accord? Il fait 2 mètres. D'accord? Donc, le tuyau, hop. Très bien. Donc, il y a un petit bout là, c'est plus large. Tu vois, c'est plus. Aïe, aïe, aïe. Il y a un petit bout là, c'est plus large. Une petite dénivellation, tu vois? Donc, comme ça, hop. Et là, c'est plus fin. De 3 mm plus fin, ok? Donc, comme ça, toi tu choisis ton sens où tu remets le truc. Et moi, j'ai réussi à monter ça. Et comme ça, je récupère l'eau. Tu as compris? Bon. Alors, tout en haut, j'ai trop bien mis ça. Tu vois? Tac, tac. Et comme c'est pas encore la version définitive, tu vois, j'ai mis une brochette. Hop! J'ai pris un petit fer à souder pour le travail minutieux qui te branche. C'est la prise électrique. J'ai fait des trous. C'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à faire. Tu vois? L'une en face de l'autre, bien tranquille. Et j'ai mis la brochette là. Pop! Comme ça. J'ai pas besoin de mettre de colle. J'ai pas besoin encore d'attacher au mur. Parce que si j'attache au mur, il faut que je mette un coude. Et un petit morceau. Et après un autre coude. Un petit morceau. Après je descends. Et après, pour éloigner du mur, il faut que je mette un coude pour que ça tombe dans le tonneau qui se trouve ici. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Comme c'est pas la version définitive, le tuyau, il va peut-être falloir que je coupe le tuyau. Hein? Là, il est trop long. Hein? Parce que ce ne sera pas ce bac qui sera ici. Ce sera peut-être un autre bac qui monte plus haut, qui fait 2 mètres de haut, qui fait 250 litres. Voilà. Parce que celui-là, il fait 220 litres. Il est tout petit. L'autre, il fait 300 litres, je crois. 300 litres, il est droit. Il est droit, il est comme une colonne, et on va remplacer. Si tu comprends? Donc, on ne va pas mettre celui-là. Et celui-là, on va servir pour autre chose. Et donc, on va raccourcir, et on va, comme ça, on va gagner du tuyau. On ne va pas gâcher tout ce tuyau-là. Comme ça, il nous restera du tuyau. Et on va utiliser que même pas 50 cm de ce tuyau. Ça va aller dans la colonne réservoir. Et voilà.
Et on fait tout le temps ça, des trucs comme ça, on fait des bricolages comme ça, tu vois, après des coups de marqueur, tout ça, parce que là, on devait couper là. Mais moi, je ne vais pas couper finalement. D'accord? Je vais couper beaucoup plus haut, parce que la colonne, elle va monter plus haut et elle va commencer à récupérer l'eau depuis là. Tu comprends? Donc comme ça prendra moins de place au sol, ça va nous laisser un petit peu de place pour aller venir. Tu comprends? Parce que là, ça prend trop de place au sol. Et c'est un peu gênant, c'est, tu vois, tout relâche. Quand il y aura la colonne, elle sera comme ça. Tu vois, ça prend moins de place, moitié moins de place et ça monte plus haut. On sera moins dérangé, tu comprends? On essaie les solutions, on gagne place, tu vois. Bon, ben, sur ce, au fait, si t'en as des chiens, tu veux pas les rats, ils mangent la nourriture de ton chien, les croquettes. Tu mets ça aussi dans un tonneau comme ça. Les rats, ils viennent pas, ils rongent pas ça, ils font pas des bêtises, ils vont pas voler la nourriture du chien. Parce que si c'est pas bien emballé, tu vas en avoir des problèmes avec les rongeurs. T'as compris? Donc comment dirais-je? Les tonneaux comme ça, c'est très très bien. On n'aime pas le plastique, mais des fois le plastique, ça sert bien des services. Bon, ben, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Avec mon diamètre 80, tu as vu qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, tu peux faire des trucs comme ça pour récupérer ton eau. Tu peux faire ça partout où tu veux. Si tu as un endroit, une gouttière en plein milieu, tu veux mettre une naissance centrale, parce que normalement c'est une naissance centrale. D'accord? Donc normalement, il n'y en a pas cette paroi, j'ai rajouté. Tu vois, c'est pas la même couleur. J'ai rajouté. Comme ça, c'est plus central. C'est d'extrémité. C'est trop facile. Tu comprends? Bon, ben voilà, ben je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Tu vois, la gouttiérisation, c'est pas très compliqué. Hein, maintenant, on va m'appeler Gouttiérrez.